série 6 de BMW compte pas moins de 3 modèles. Un coupé, un cabriolet et la Grand Coupé, une berline aux allures de coupé. Le coupé et le cabriolet, déjà très puissants en version de base, ont aussi droit à une version M. Alors là, c'est l'indécence, rien de moins. On parle ici d'un V8 de 4,4 litres turbocompressé, développant la bagatelle de 560 chevaux et un couple de 500 livres-pieds. Trouvant aussi sa place dans la berline M5, il s'agit du moteur le plus puissant jamais installé dans une BMW de série. Même si la M6 frôle les 2000 kg, le sprint de 0 à 100 km/h est l'affaire de 4,2 petites secondes. En plus, la sonorité en accélération est tout simplement jouissive. On retrouve trois modes de conduite, soit confort, sport et sport plus. Ce dernier mode ne devrait être réservé que pour les circuits, tandis que le mode confort rend la voiture moins dynamique. Le mode sport nous semble le mieux adapté. Malgré tout, le poids important de la M6 joue beaucoup contre elle lorsqu'elle est poussée à sa limite. Et une voiture lourde et puissante, ça consomme beaucoup. La BMW de série 6, surtout en version M, est bien davantage une GT qu'une voiture sport pure et dure.